À cette heure-ci, il n'y a plus que la chance qui peut... On sait qu'elle n'a pas beaucoup de veine, la chance. Monsieur Mattei, vous ne saviez pas qu'un suspect doit être considéré comme un coupable? Pas pour moi, monsieur l'inspecteur général. Il m'est passé entre les mains tant de suspects qui étaient innocents. Vous voulez aller? Il n'y a pas d'innocents. Les hommes sont coupables. Ils viennent au monde innocents, mais ça ne dure pas. Monsieur l'inspecteur général, mon directeur vient de vous dire que seule la chance peut rattraper vos gels, dorénavant. La chance est moi, en vérité. Monsieur Mattei, je ne mets pas en doute votre bonne volonté. Par contre, permettez-moi de me montrer sceptique quant à l'efficacité dont vous faites preuve dans l'arrestation des coupables. Mattei a les meilleurs états de service de toute la PJ depuis 15 ans. Mais la belle affaire, on change en 15 ans. Croyez-vous que je sois resté le même depuis 1955? Nous changeons tous en mal. Je suis tout prêt à offrir ma démission, c'est... C'est trop facile. Au contraire, je vous charge de retrouver Vogel par tous les moyens, et quoi qu'il vous en coûte. Vous le connaissez mieux que personne dans la maison. Un voyage à deux, en wagon-lit, ça crée des liens. Même un voyage interrompu. Bien. Je le retrouverai. J'en suis absolument certain. Je vous le souhaite à tous les deux. Puisque vous vous portez garant de votre subordonné, mon cher directeur. C'est exact. Je m'en porte garant. Et n'oubliez jamais, tous coupables. Même les policiers. Tous les hommes, monsieur Mattei.